Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur d'être aujourd'hui ici. La première fois quand je regardais les vidéos du prophète, je m'appelle Wonien Ezwa Kanga Madeleine. Je suis apollonien. Je vis à Bergamo. Grâce à ma maman Taya Nathalie, je suis venue. La première fois, je suivais, elle m'avait envoyé une vidéo sur WhatsApp pour me dire, ma fille, suis ce prophète-là. On ne sait jamais. J'ai dit d'accord. Moi, je regardais ses vidéos. J'ai vu un peu ce qu'il disait. Le soir, quand je dors, j'écoute un peu ses vidéos. Mais de temps en temps, quand j'écoute, je vois que ce que le papa dit, c'est la vérité. Donc, j'étais là, je priais un soir. Et j'ai dit, Seigneur, avec tout ce qui m'est arrivé là, c'est grave. Enceinte de 7 mois, je suis allée à la Kossoura de Bergamo pour prendre mon séjour. Et de là, le monsieur me dit, madame, attends, mets-toi dans la chambre, on doit parler avec toi. Dans le bureau, j'ai dit d'accord. J'étais assise au moins 15 minutes, ils sont avec un papier de foire de via. Disons, dans 2 mois. Expulsion. Expulsion. Ouais. Dans 2 mois, tu dois laisser l'Italie. Avec un bébé de 2 ans, et puis j'étais enceinte de 7 mois. Je fais comment? Moi, j'étais là, j'ai dit d'accord. Je n'ai pas signé. J'ai appelé ma maman, elle m'a dit attends. Elle a appelé son avocat, on allait la voir, on a expliqué. Elle dit, bon, voilà ce qu'on doit faire. Mais à travers les enfants, normalement, tu ne dois pas laisser l'Italie. Parce que les enfants sont nés ici. C'est ce que la loi dit. Donc, j'étais là en prière. Je vous parle de 2014. De temps en temps, je suivais les vidéos du prophète, je suivais les enseignements qu'il disait. Chaque fois, je regardais. Donc, un jour, j'étais là. La maman m'a dit, ah, ma fille, regarde que le papa doit venir à Verbania. J'ai dit, d'accord, maman. Par la grâce du Père, tout ce qui va se passer, on va partir. J'ai dit d'accord, maman. Donc, on s'est pris, on est venu à Verbania. Par la grâce du Père, on a prié. On a fait les d'options, tout ce qu'on devait faire. On a fait, tout s'est bien passé. Parce que quand je partais à la Kossoura, ils m'ont refusé plus de 2 fois. Je suis partie avec l'avocat, ils m'ont refusé. Quand ils me voient, je ne sais pas si j'ai envie de monde. Ils me chassent. Non, toi, on ne te veut pas ici. Tu dois laisser l'Italie. Je ne comprends rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, je prie, je pleure, je ne mange pas. Maintenant, je dis merci à Dieu, Père, j'ai grossi un peu. J'avais maigri. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie? Je passe sans Dieu, non. Je passe sans Dieu, on dit non. Je dis, mon Dieu est grand, ça va aller. Donc, tout ce qui s'est passé avec Bania, Dieu merci. Avec l'huile d'onction, j'ai fait. La semaine qui a suivi, je suis allée à la Kossoura. J'arrive, la femme, je suis partie avec l'avocat. La femme me voit, me dit, ah, mais toi tu étais où? On t'a donné rendez-vous, tu n'es pas venu. J'ai dit, mais je regarde autour de moi, si ce n'est pas un bon, elle a parlé, ou bien elle a parlé avec quelqu'un d'autre. Elle me dit, non, je parle avec toi. C'est toi qui es venu là, moi. J'ai dit, oui. Elle me montre mon séjour. J'ai dit, attends, c'est un rêve ou bien? Je me fais. J'ai appelé ma maman, j'ai commencé à trouver au téléphone. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, voilà ça. Ces jours après, depuis 2014, je suis restée sans papier. C'est la 4 sur toi. Amen, parce que la 4 là, j'ai beaucoup venu. Voilà ces jours-là. Dieu merci, mon délai, ces jours de famille. Amen. Amen. Grand gloire à Dieu. Et je le remercie. Le papa qui nous a donné. Amen. Franchement, je suis tellement contente que je tremble sur moi parce que Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Et il a fait beaucoup, beaucoup. Amen. 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 On applaudit, ça s'applaudit. Il faut dire que la croisade de Lyon, l'orientation c'était d'avoir les papiers. Voilà, il y a d'autres témoignages, il y a d'autres qui ne sont pas venus. Mais tous ceux qui avaient besoin de papiers, ça a été débloqué quand
Le prophète Joël Grasso a foulé le sol européen. Que le Seigneur soit béni.